Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Après 3 mois de travaux d'exploration, la société d'exploitation minière Samadou Mining a touché du doigt des graines de diamant à Bango-Tiomala, localité de Bougouni dans la région du Sikasso. Ce résultat vient renforcer le potentiel minier du Mali. Après l'or, le pétrole et le gaz, l'espoir d'un gisement de diamants au Mali n'est plus loin. Après 3 mois de travaux d'exploration, la société d'exploitation minière Samadou Mining a découvert un précieux métal blanc à Bango-Tiomala dans la région de Bougouni. Après avoir touché du doigt le fameux métal, la société de l'opérateur Mamadi Doumkouré compte désormais installer la première mine d'exploitation de diamants au Mali, plus précisément dans cette localité à Bougouni. Exploité de façon artisanale dans plusieurs pays, ce projet de mine moderne est au-delà de la localité de Manibonotier, une lieu d'espoir pour tout le Mali en général. Mamadi Doumkouré et son service technique ont par ailleurs signalé que l'autre défi qui les attend désormais est l'obtention d'un permis d'exploitation auprès du gouvernement du Mali. Dans un environnement dominé par des firmes multinationales, Mamadi Doumkouré ne peut compter que sur le soutien et l'accompagnement du gouvernement de transition, dont le cheval de bataille est la refondation et la restauration de la souveraineté du Mali sur tous les plans. Il faut noter que cette découverte intervient après celle d'autres ressources naturelles au Mali, comme le pétrole et de l'hydrogène naturel. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions. Qu'en pensez-vous de ce que peut faire le gouvernement pour cette grande découverte pour le Mali? Restez connectés pour de prochaines informations.